Et salut tout le monde, c'est Rowan et on est de retour sur Monster Hunter World, c'est l'épisode 11, donc c'est parti, on continue la mission principale. Comptoir des quêtes. Tu as entendu? On fabrique un dirigeable, un poste de recherche volant, c'est dingue non? Ce serait génial de pouvoir décoller de là, tout de suite, mais on doit d'abord rassembler ces matériaux. Voyons voir, on dirait que notre proie est un paolumu. Nouvelle quête. Mission. Vol, Paolumu. Camp numéro 1. Alors si on transforme le poste de recherche, ah, j'ai pas vu, je vais partir en quête de matériaux, occupe-toi de ce Paolumu. Et on va se faire une petite bouffe. Apparemment le Paolumu se nourrit des œufs de plateau de corail, on ferait peut-être bien de commencer par là. Alors commander, surprise du chef. Ok, on va faire un petit tour au coffre. On va prendre ça, ration. Capsule aveuglante X. Et ça, on laisse. Alors, Ecofact. À mon avis, ça, c'est une petite bestiole. On va suivre la piste pour l'instant. Je suis pas sûr que c'est notre cible. Oh, c'est stylé ça. Encore une trace. Bon, en tout cas, on s'approche. Hein. Ok, bon, c'est un Paolumu, c'est parfait. Bon, à mon avis, il faut sauter. On va prendre la liane. Plume de Paolumu, arbre du sommeil, ah tiens il m'en faut.
Ah mais il est stylé grave. Ah les monstres ils sont de plus en plus stylés quoi. Allez viens mon petit. Ah, il est énervé là. Ok, encore un petit combo. Et je pourrais lui faire mon ultime. Au max. Ah mais il est grave stylé hein. Quoi, il se met en boule comme ça. Mais bah attends, je vais te calmer toi. Ah, il est un peu plus chaud quand même à toucher. Allez c'est parti. Ah putain il va me tuer hein. Je fasse gaffe. On va prendre premier soin non. Tiens c'est un crapaud ça, il fait quoi? Somni crapaud. Je le ramène vers ici. Je vais essayer de le... Allez, casse-toi! Ah bon, je l'ai complètement enfoiré. Bon, apparemment, il s'enfuit, j'ai pas eu le temps de lui. On va capturer ces petites méduses volantes. Je les verrai bien dans ma chambre. Méduse volante, une créature de plateau de corail se dépassant sur les courants d'air. On la trouve dans les zones venteuses. Grâce stylée. On va ouvrir la carte. Hop, ok, il est en face. Herbe du sommeil, je vais prendre. Ok, il est là cet enfoiré. Ah, j'aurais dû aiguiser ma lame. Bon, comment j'ai shooté là? En fait, un arc, ça m'aurait bien servi en fait. Allez mon petit, descends un peu. Là je peux pas le toucher, il est en hauteur. Je crois savoir. Capsule aveuglante. Voilà. Eh mon psy. Là je vais te cogner là. Je
sais pas ce qu'il fait mon chat. Alors Tilou, qu'est-ce que tu fais avec ta petite poussette? Ah, c'est un canon qu'il a. Je crois qu'il aime pas qu'on lui tape les ailes. Ok, on est chargé à bloc. Capsule de bouse. Bah, c'était pas une capsule. La capsule aveuglante. Partie détruite. Bon, faut que je fasse mon combo avant que je perde. Bon, c'est où sa petite partie détruite? Il a pas lâché un truc là? Oh oh. Apparemment il y a un autre monstre. J'espère qu'il va pas venir me faire chier. Bon ça il se recasse. Charles pourri, c'est pas ça que je veux. Bon, il est où là en fait? Il est là, mais comment on y accède? Ok, d'accord. Ah, on pourrait peut-être le capturer d'ailleurs. On va le calmer. Super efficace hein, les capsules aveuglantes. Merde.
Bon allez, Tilou là, occupe-le vite fait pendant que j'aiguise mon... Ah bien sûr, il y a l'autre. Bon, je crois qu'il a pas kiffé. Non, t'envole pas. Ah, il est chiant. Empreinte. Putain, il n'a rien laissé tomber, hein. Il est là. Capsule gluante, on va voir si ça marche. Il est trop. Ah, il s'enfuit encore. Bon, il va où cet enfoiré là? Bon, on va monter, hein. Ah non, il redescend. Quel enfoiré. Oula 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 oula. Allez, lève-toi. Normalement, il est bientôt mort. J'espère. Ah, quand il descend comme ça, il fait super mal, hein. Enfin! Pas le mur, pas au lumu.
pelage. Bah, j'ai pas encore tout visité. Mais ce niveau, il est vraiment super beau, quoi. En fait, le jeu, plus t'avances et plus il est bien. Enfin! Grâce à toi et à l'ingénieur aéronautique, les ballons ont été fixés et le dirigeable est prêt. De notre côté, les préparatifs sont achevés, nous partirons dès que tu le souhaiteras. Je dois cependant t'avouer quelque chose. Nous n'avons pas jugé bon de faire un vol d'essai, j'espère que ça ne te pose pas de problème. Fais-moi signe quand tu seras prêt et nous entamerons notre descente dans le Val Putride. Avant de te rendre dans le Val Putride. Ok. Bah, j'ai pas besoin de me préparer. Y a rien de spécial ici. Hein. Pas grand chose à faire. Y a même pas un forgeron. Bon, ce qu'on va faire. Ah, apparemment, je peux parler à quelqu'un. Donc, c'est ce qu'on va faire. Déjà. Ah, c'est l'ingénieur. Hey, je voulais te dire, j'ai une révélation en cherchant des matériaux pour le dirigeable sur le plateau de corail. Il serait nettement plus simple de se déplacer dans le plateau de corail si je pouvais installer une tyrolienne. J'ai donc commandé à l'intendance les pièces dont j'avais besoin pour sa fabrication. Je compte sur toi. Je pense que ça nous simplifiera la vie, donc ce serait pas mal si tu pouvais nous donner un coup de main. Je compte sur toi. Alors, nouvelle livraison disponible, le chemin du bonheur. Pas facile d'explorer le plateau de corail, hein. Je me disais qu'avec une tyrolienne, ce serait bien plus pratique. Tu m'aides ? Pochamos, os solide. Il n'y a aucun problème, mec. Donc comme je disais, on va faire carte du monde, Astera, on va aller au marché. Ah, il y a pas mal de points d'exclamation là. On va tout faire. Non, il est où celui-là, le premier? J'ai l'impression que c'est lui. Content de te voir. Splendide, voilà la cinquième flotte, tu ne pouvais pas mieux tomber. Nous les capteurs, tous sommes en train d'étudier le comportement du Paolumu. Les trois Zerulis sont même prêts à traverser le grand ravin pour explorer le plateau de corail et étudier le Paolumu. Bonne chance. La quête s'intitule Monstre blanc et blanc manteau. Toute aide de ta part sera la bienvenue. Nouvelle quête disponible, monstre blanc et blanc manteau. Ok.
Tanis relaxe. Oh, ça me revient. Je peux te demander un service? Je crois avoir trouvé un moyen d'agrandir la boîte à récolte. Rien de bien compliqué, mais j'aurais besoin de ton aide. Reviens vite. Les huiles savent quel matériau il faut. Fais ton possible pour nous aider et notre récolte n'en sera que plus abondante. Agrandissement. Botanis, relax. Ta caisse de récolte commence à être juste pour tout ce que tu y as émettre. Je vais faire jouer mes relations pour te rajouter de la place. Poche d'eau. Ok. Énergique de la cinquième. Bonjour. Et toi, au lieu de te tourner les pouces, que dirais-tu de me donner un coup de main? La vieille dame du conservatoire botanique a besoin d'aide pour son engrais, mais comme tu peux le voir, je suis débordé. Vraiment, tu veux bien t'en occuper? Quel soulagement, je suis bien contente que tu sois avec nous. Nouvelle livraison disponible, pousse d'arbres millénaires. Os de corail. Ok. Commandant. Beau travail. Tu es déjà arrivé à de l'autre côté? Je savais que je pouvais compter sur toi. À propos. Je dois te faire part des conclusions auxquelles sont arrivés les érudits en observant le Zora Magdaros. Ils pensent que cette créature contient une quantité de bioénergie phénoménale, et que cette bioénergie est extrêmement instable. Les nouvelles pourraient être meilleures, je te l'accorde. Écoute-moi. Il est impossible de prédire ce qui arrivera, aussi bien à la bioénergie qu'à nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est poursuivre nos recherches. Promettez-moi d'être prudent. Que l'étoile de Saphir soit avec toi. Ah. Le forgeron a besoin de me parler. C'est incroyable. Je vois que tu t'es dégoté quelque chose de nouveau. Une amulette, hein? Ces trucs sont fascinants. Mais la tienne est différente de toutes celles que j'ai pu voir. Elle a été fabriquée selon les techniques de fusion des anciens vivériens. Tu sais quoi? Je vais aller parler à cette alchimiste. Elle acceptera peut-être de m'apprendre à fabriquer des amulettes à la forge. Alors qu'est-ce que nous allons marteler aujourd'hui? Alors forger, voyons voir les nouvelles armures. Alors on a le chamos. Ah, juste un casque. L'anjana, bon, je l'ai. Le tsitsiyaku. Ah, le casque, il a l'air d'être pas mal, hein. La côte, pareil. Avant-bras. Ah, pas mal quand même. Le paolumu. Ah, on dirait un... casquette de... Le capitaine. Pas mal aussi, j'avoue. Pour l'instant, c'est tout. Arte 3. Donc le mieux, ce serait que je chasse... le Paolum. Mais il y a mieux, je crois. Enfin, il y aura toujours mieux, mais... pour l'instant, à mon niveau, quoi. Au niveau des armes, est-ce qu'on a... Ah, lame virvaine. Feuille. Carapace rasiant. Plaque rasiant. Ah ouais, carrément. Attaque 363. J'ai envie de... Poison 240. Ah ouais. Affinité 10%. Ah, j'ai envie de la forger, mais pour ça, il faut que je chasse un rasiant. Et ça va être compliqué, ça. En arc, qu'est-ce qu'on a de beau en arc? Ouais. Pour l'instant, on va garder mon épée. Amulette, collier anti-poison, collier de défense. Ah ouais, il y en a pas mal. Collier du vent, collier du rubis, collier d'opale.
Après, faut regarder les talents, justement. Ah, il y en a vraiment beaucoup, hein. Bon, bref. Améliorer. Est-ce qu'on peut améliorer? Oh, il y a un autre niveau qui. Alors. Ah, ouais, carrément, quoi. Alors, l'Eurasian. Rareté 6. Ah, ouais, carrément. Rareté 4. Bah apparemment ça c'est toutes les armes que je peux avoir. Lumière sacrée. Inconnu, inconnu, inconnu. À mon avis, il y a un. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? L'armure. Mon armure. Max, max. Max, max, max. On peut même améliorer les colliers. Dragonite. Inconnu, inconnu. Ok, donc ça c'est fait. Pourquoi j'ai toujours le point d'exclamation sur lui? J'ai une bonne nouvelle à propos du grand ravin par lequel le Zora Magdoros s'est passé. Le terrain y est vraiment unique, n'est-ce pas? Personnellement, je l'appelle la citadelle de la nature. Alors que nous en contemplions les murs, mes camarades de la deuxième et moi avons soudain eu envie de bâtir quelque chose. C'est alors que nous avons eu l'idée de l'arène spéciale. Génial, non? En gros, c'est une arène modelée à partir du terrain du grand ravin. Nous y avons placé des gadgets et autres équipements qui te permettront d'améliorer tes talents de chasseur. Tu y croiseras peut-être même l'un des monstres que tu as capturés. Tu peux t'inscrire à une quête de l'arène spéciale depuis le comptoir ou le panneau des quêtes. Bonne journée. Ça vaut le coup d'essayer, tu ne crois pas? Alors qu'est-ce que nous allons marteler aujourd'hui? Ok. Il ne reste plus qu'à voir le cuistot. Putain, il y a toujours le forgeon, il me fait chier là. Tiens, un chasseur de la cinquième. Alors, le nouveau terrain de chasse, s'il te plaît, il s'est passé des choses intéressantes récemment. La fissure dans le ravin nous a permis d'acheminer des matériaux en flux tendu depuis l'autre côté jusqu'à Astera. Je m'efforce actuellement d'intégrer ces matériaux à nos réalisations ici, à la forge. Jette donc un coup d'œil aux nouvelles améliorations disponibles pour ton arme, ça devrait te plaire, je pense. Bon, voyons voir alors. Ouais, c'est ce que j'ai eu. Ok, d'accord. Bon, j'espère que c'est bon cette fois-ci. Apparemment. On va aller voir le pote de la cinquième. Ça bosse dur? Alors, ça bosse dur, quoi? Pourquoi est-ce que je ronchonne? C'est parce que le cuistot m'a demandé d'aller chercher des ingrédients. Mais j'ai pas encore fini de manger. Moi, quoi, vraiment? Tu aurais cherché ces ingrédients pour moi? Bonne chance. Merci, tu me sauves la vie. Entre membres de la cinquième, on doit se serrer les coudes, pas vrai? Allez, bonne chance. Alors, festin marin, j'adore le poisson, rien que de sentir l'odeur, j'ai l'estomac qui se met à gargouiller. Oh, ça y est, j'ai faim. Alors, cette livraison, je peux la faire. J'ai tous les ingrédients. Miaus Quisto. Tu veux bien m'aider à trouver de nouveaux ingrédients pour la cantine? Allez, je suis sûr que ça te branche. Il te suffit de t'inscrire aux quêtes Chamos à Boss et Ormo à Gogo et de les mener à bien. Mets les KO qu'on puisse concocter un menu spécial gros bras. Je compte sur toi. Nouvelle quête disponible, Chamos à Boss. Abattre 11 Chamos. Ormo à gogo, livrer 10 ormo nacrés. Ok, je crois qu'on a tout vu.
On va aller voir l'intendant. Le sanctuaire des 5 est situé sur la poursuite céleste, le bateau perché au sommet d'Astéra. Alors voyons voir ses résultats. Requête complétée. Ok. Alors on a une nouvelle requête. Compléter deux quêtes sur le plateau de corail. Ça on va mettre. Compléter deux contrats. Et examiner 15 fois des carcasses. Allez, on va mettre ça. Urgence spéciale. Ah ben voilà. Écologie, chasse, Titsiyaku. Legiana, chasser 4 monstres spécifiques. Alors ça, je connais pas encore. Je crois que c'est le monstre qu'on a vu. Le papillon géant, là. Oh, est-ce qu'on a des nouveaux contrats ? Élimination. Pas de nouveau contrat. Ça me paraît bizarre. Ok, livraison. Je crois qu'on peut faire une petite livraison. Livrer les objets demandés. Oui. Plateau de corail, courant numéro 12. Festin marin, ça je peux livrer. Joue de gageot. Et donc ici il me faut la peau de chamos. Os solide. Ici il me faut une poche d'eau. Et os de corail. Ok, on est plutôt bon. Alors, on va aller où ? Carte du monde, poste de recherche. Tu ferais bien de te préparer avant de te rendre dans le Val Putride. C'est le moment. Prêt à descendre dans le Val Putride ? Je sais pas. Bon, je vais plutôt. On va s'arrêter ici plutôt. Et on fera ça au prochain épisode. Parce que ça risque d'être long. Ou pas. Mais je préfère pas prendre le risque. Donc merci de m'avoir suivi. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et mettre un pouce bleu. Et ciao tout le monde!